Yo les gens, aujourd'hui je vous propose de suivre la suite de cette aventure qu'on avait démarrée sur Zombicide. Voilà nos survivants en pleine rue. Ils ont pu sortir de la première maison où ils étaient enfermés. Quelques zombies sont venus leur bloquer la route, mais ils s'en sont sortis. Ils se dirigent à présent vers la maison au bout de la rue, quand soudain ils se retrouvent envahis de tous les côtés par des zombies. Est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir? Et on va voir ça tout de suite. Bon, du coup, les choses se compliquent là. Il va falloir qu'on agisse avec, du coup, Phil. Il va pas pouvoir utiliser les pistolets, puisqu'en fait, il y a une règle qui dit que quand on tire avec des armes à feu sur la même case qu'il y a des alliés, il y a un ordre en fait de priorité sur les cibles, et en fait, ça va être les alliés qui vont prendre les dégâts en premier, avant que ce soit, du coup, les zombies. Donc lui, il va pas pouvoir tirer avec ses armes. C'est embêtant. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire que Phil, si, va viser le zombie qui est là, avec son fusil à pompe. Donc, première action. Hop, donc je lance 2 dés, il faut que je fasse 3 ou plus. S'il y en a un qui passe, c'est parfait. Lui, il meurt. Et il est retiré. Je serais presque tenté d'aller faire les autres, mais ça va être un peu short en fait. J'aurais pas assez d'action. Donc je vais mettre en retrait et je vais attendre. Ensuite, au tour d'Emmy. Emmy, elle est ici. Et ma foi, elle va taper avec sa hache, hein, comme d'hab. Donc 1 dé, 4 ou plus. Donc il y a une action qui passe. Donc un zombie qui est retiré. On va retenter. Ça passe pas. On retente une dernière. Et ça passe pas non plus. Doug, qui est ici, va tenter lui aussi, avec sa hache, 4 ou plus, de faire du mal à celui-ci. Hein, ça ne passe pas. Hop, sur celui-là, ça passe. Le zombie est retiré et il va gagner son premier point d'expérience. Et dans la foulée, je vais utiliser ma dernière action pour ouvrir la porte ici. J'ouvre la porte. Quand on ouvre la porte, automatiquement, on révèle tous les zombies qu'il peut y avoir dans la maison. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste placer ici les cartes et on va révéler qui c'est qu'on a. Ici, ça craint rien du tout. Ici, c'est pas bon. On a un walker. Ici, un autre walker. Et là... c'est les égouts qui vont encore cracher. Alors, hop, comme tout à l'heure, on voit qu'il y a deux plaques d'égouts. Ici, on a des survivants. Donc ici, ça sort. Hop. Ah, ouf. Et là, ça se complique, étant donné qu'en plus, c'est une fin de tour. Parce que là, c'était au tour de Doug. C'est Doug qui vient d'ouvrir la porte. Donc ça va être à Ned d'essayer de faire quelque chose, mais à mon avis... il va pas pouvoir, étant donné qu'il a un pistolet et que le pistolet va faire des dégâts en premier sur ses amis. Donc là, sur ce coup-là, il va falloir prendre des dégâts. Et ça, c'est dommage. Je vais me mettre avec eux. Alors, maintenant, c'est au tour des zombies qui vont, dans un premier temps, se déplacer. Donc, ceux-là, ils viennent ici. Celui-là, il vient là. Celui-ci, il a un chemin plus court qui peut être à la fois de passer par là ou par là. Ces deux chemins font autant de cases l'un que l'autre, et dans ce cas-là, la règle dit que bah, si les deux chemins sont les plus courts, le zombie se divise en deux. Donc là, c'est comme si lui se divisait, et hop, il y en a un de chaque côté. Ces deux arrivent là, et ensuite, on va tirer une carte pour chaque zombie qu'il y a là. Ah pardon, ces deux-là attaquent. Ces deux-là attaquent. Donc, je vais distribuer les dégâts, une sur Phil, et une sur... allez hop, Amy. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on prend du coup ici des blessures, on doit les mettre ici sur une case d'inventaire, et évidemment, ça nous prend de la place sur l'inventaire. On peut avoir qu'une seule blessure, au bout de deux blessures, le survivant est mort. Il ne me reste plus qu'à tirer pour là-haut et pour ici. Ah, encore plaque d'égout, alors là vraiment, ça va se compliquer. Ça va se compliquer énormément. Hop. Et pour celui d'en bas, on en a un classique, un petit walker. Bien. Autour de Phil. Phil qui va pas pouvoir faire grand chose,
Alors, je peux pas déplacer Phil parce qu'en fait, je dois dépenser une action supplémentaire par zombie présent ici sur la case. Et vu que j'ai que 3 actions, j'ai largement pas assez d'actions pour pouvoir me déplacer. Donc, je vais devoir rester sur place. Et bien, on va faire jouer Amy encore une fois. Donc, on va essayer d'enchaîner. Donc là, pareil, il faut que je fasse 4 ou plus pour faire mes dégâts. Donc, il y en a un qui passe. Ensuite, deuxième qui passe. Et celui-ci ne passe pas. Elle en a tué 2 qui lui font du coup 5 points d'expérience. Il nous reste encore 2 zombies. On va faire jouer Doug. Doug qui va utiliser également sa hache 4 ou plus. Ah, j'ai été bête. J'ai été bête avec Phil. J'aurais pu tirer là-bas comme j'avais fait tout à l'heure, mais je ne l'ai pas fait. Tant pis, ça m'apprendra. Alors, je reprends. Donc Doug. H, il faut faire 4 ou plus. Premier, un échec. Second, ça passe. Et celui-ci ne passe pas. Ok. Il nous reste encore un zombie ici. On en a 3 qui vont arriver là. Et là, on va faire jouer Ned. Ned, il va essayer de taper ceux qui arrivent là-bas. Donc, pour 3 actions, on va essayer de lui lancer 2 dés. Donc, il faut... c'est le même canon, en fait, hein, que canon à lancier. Que Phil, il faut que je fasse avec 2D, 3 ou plus. 3, ça passe. Il y en a un qui saute. Et l'autre qui saute aussi. Ce qui m'a fait 2 points d'expérience. Ok. Fin du tour. Les zombies attaquent. Donc lui, ici, il veut attaquer. Et ben, chacun son tour. Ça va être à Doug. Ensuite, les zombies se déplacent. Se déplacent ici. Ici, c'est de Camilla. Et lui, vient là. Donc là, on a encore de nouveau 2 zombies ici. Et ensuite, on va tirer pour là-haut 2 Walker. Et pour en bas, 0. C'est parfait. Donc ça me va quand c'est comme ça. Alors, on reprend. Autour de Phil. Phil, cette fois-ci, je vais pas le louper. Il va tirer ici avec son fusil à canon scié. Il va falloir qu'il fasse 3 ou plus avec 2 dés. 4, il y en a un qui passe, donc il y en a un qui est tué. Et le second aussi. 2 points d'expérience qui le fait monter à 4. On est pas mal. Ensuite, autour d'Emmy. Emmy qui va encore jouer de la hache. Donc 4 ou plus. Un échec. Un qui passe. Et un autre qui ne passe pas. Elle se prend un point d'expérience et elle est à un point d'expérience de passer au niveau supérieur. Il va falloir faire gaffe à ça. Autour de Doug. Doug ici, qui va jouer de la hache comme Amy. Un, c'est raté. Ça que ça passe. Il prend son expérience. Clac. Et puis bah, il va attendre. Il va attendre et il va laisser Ned faire le nettoyage. Donc il ne fait rien de plus. Ned va faire du coup ici une action. Ned, pardon, c'est lui. Ned, une action, et il lui reste 2 actions pour essayer de taper les 2 zombies. Avec le fusil à canon scié, 2 dés doit faire 3 ou plus. 3 ici ça passe, il y en a un qui est mort. 4. Ça passe aussi, il y en a un autre qui est mort. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Hop, 2 points d'expérience. 1, 2. Autour des zombies. Les zombies attaquent, il n'y a personne attaqué. Ils se déplacent. Ensuite, on révèle pour là-haut. On va avoir un walker. Là, ça sent la fin. Hop, on mélange. Et hop, 2 en bas. Parfait. Du coup, eh bien, autour de Phil, Phil, le policier qui est ici, qui va faire ses 3 actions, donc 1, 2, 3, et l'arrive ici. Amy, 1, 2, 3, au finir, 2, 1, 2, et 3, et Ned, 1, 2, et il active l'objectif avec sa 4ème action, et le scénario est terminé. Et voilà, c'est ainsi que se termine du coup ce scénario d'introduction sur le jeu donc Zombicide. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et moi, je vous dis ciao, à la prochaine.